Fin novembre, euh, les particuliers pourront acheter des Fin acteurs. novembre, peut-être même début novembre, les particuliers Vous pourront avancez acheter un peu le calendrier, là, des hein. titres. Il n'y a pas de, de raison de traîner sur la privatisation de la Française des jeux du moment qu'un certain nombre de conditions sont réunies. La première condition, c'est que nous mettions en place une autorité de régulation des jeux. Parce que le seul sujet qui me préoccupe, c'est qu'on lutte contre l'addiction aux jeux et en particulier l'addiction des plus jeunes aux jeux. Oui. Et là où je veux bien rappeler que ces privatisations s'entourent d'un renforcement des garanties pour les citoyens français. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité indépendante des régulations des jeux. Demain, la privatisation va s'accompagner d'une autorité de régulation des jeux dont nous nommerons le président dans les prochaines semaines et qui aura vocation à lutter avec efficacité contre l'addiction aux jeux, notamment des plus jeunes. L'État gardera une participation L'État gardera 20% de la française des jeux. Les anciens combattants, vous savez que ça a été créé en 1933, la Loterie nationale, mm -hmm. que ça a été fait notamment pour accompagner les anciens combattants, ils resteront membres du conseil d'administration. Et les salariés, comme les Français, pourront participer à cette privatisation les salariés avec des conditions peut-être plus avantageuses, c'est normal, parce que c'est eux qui ont contribué décote. au succès hein de la française des jeux, par exemple avec une possibilité de décote sur le prix de l'action, et les Français pourront aussi participer à cette privatisation, je souhaite qu'ils y participent le plus largement possible, avec un certain nombre d'avantages, comme par exemple des actions gratuites en fonction de la durée de détention du titre. Voilà pour être très Il précis. Il y aura une part réservée au grand public. Il y aura une part réservée au grand public. Je ne peux pas vous donner... L'ordre de grandeur, mais il y aura une part réservée au grand public mmh. avec une possibilité d'action gratuite pour tous les actionnaires qui accepteraient de détenir plus longtemps leurs actions et leurs titres quoi, de la Française des Jeux. Le grand rendez européen avec Les Échos et news.